développement des systèmes qui permettent l'économie d'eau. Pendant 35 ans, nous avons accompagné les agriculteurs marocains dans tout ce qui est équipement en irrigation et le suivi de leur culture. Aujourd'hui, il y a 2 ans maintenant, nous avons décidé de lancer dans l'industriel. Pourquoi nous avons lancé dans l'aventure industrielle? C'est parce qu'avec le Covid, nous sommes rendus compte que nous dépendions beaucoup des fournisseurs étrangers. Et il y avait pas mal de chaînes logistiques qui ont été cassées avec le Covid. Et vous savez, dans notre métier, dans l'agriculture, il faut pouvoir livrer le matériel à temps pour l'agriculteur. Il a une tranche donnée pour irriguer. S'il rate cette tranche-là, c'est toute la culture qui peut être détruite. Donc nous avons décidé de moins dépendre de nos fournisseurs étrangers et de lancer une unité industrielle ici à Enjahra. La création de valeur, nous voulons contrôler toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous sommes présents dans la distribution principalement, c'est notre cœur de métier. Nous avons un peu d'installation que nous faisons, c'est-à-dire on installe les équipements d'irrigation pour les grands agriculteurs. Et aujourd'hui, depuis donc un an, nous sommes lancés dans la fabrication avec cette unité industrielle qui est ici. En termes de chiffre d'affaires, ça représente aujourd'hui 5% de notre chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est d'ici 2024, que la production puisse substituer au moins 20% de nos importations. Le marché marocain, nous sommes dans une zone qui est agricole, la zone près de la zone du Gharb. Donc nous allons continuer à accompagner de cette unité-là les agriculteurs marocains et mieux répondre à leurs besoins parce que nous fabriquons directement localement au lieu d'importer et devoir attendre 2-3 semaines que le matériel arrive. Ça d'une part. Au niveau de l'Afrique, nous sommes déjà présents en Afrique. Nous avons un dépôt, nous avons une équipe, nous avons Magris Africa, c'est notre filiale au Sénégal, à Dakar. Et effectivement, cette unité industrielle ici, l'objectif c'est qu'elle puisse fournir les besoins de Magris Africa qui est au Sénégal. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'on fait en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas parler d'Afrique parce que l'Afrique, c'est grand. En Afrique de l'Ouest, nous sommes présents au Sénégal, qui est notre base. Nous travaillons beaucoup en Mauritanie, nous travaillons en Côte d'Ivoire. Et à terme, nous aimerions bien que la majeure partie des besoins de Magris Africa proviennent de cette unité-là. Donc nous sommes ici dans l'usine de production des tuyaux goutte à goutte. Deux types de tuyaux, le goutte à goutte simple et tuyaux intégrés. Donc, nous avons un laboratoire dernière génération, nous avons un package complet. Le laboratoire nous permet de faire des essais dimensionnels, des essais de caractéristiques chimiques de la production. Donc, à ce niveau de laboratoire, on peut faire des simulations et le comportement du tuyau à moyen et à long terme. On peut voir des détails sur le laboratoire. D'accord. Concernant les lignes de production, nous avons les dernières générations de lignes de production où on permet une maîtrise des process et de la stabilité de process de production. Les machines permettent de faire, comme j'ai déjà dit, deux types de produits, des tuyaux simples et des tuyaux intégrés, avec l'utilisation d'écouteurs intégrés.